peut-être une autre solution. Elle va se le faire, ce mec. Bah, je l'ai tenu, ok. Jet. Bon là normalement cette astuce là normalement ça devrait bien se passer. Ah là, faut toujours garder des attaques prioritaires, ça peut sauver une vie. Putain fils de pute là. Heureusement j'avais acheté plein d'armes de rappel. Putain, je vais te donner tellement ouf. Faut aussi rappeler que l'ectoplasma est très spécial. Blasé les gars, je suis tellement blasé, tellement qu'on a dû cheater pour pouvoir le battre en fait. D'un autre côté, comment j'aurais pu faire pour me battre tout placement, il est tellement rapide et tellement puissant. Tu vois, c'était même pas dans les règles, tu vois. Alors il faut aller d'abord sur la route 201, pardon. Et comme la personne qui était ici partie hein, qui nous bloque le passage est partie, donc on peut passer par là. Donc je vous avoue, je suis pas très serein parce que les Pokémon de la team galactique hein, sont plutôt badass.
Il dépasse la barre du niveau 55, donc je sais pas vraiment comment ça va se passer. Ah, merde. Pourquoi tu ne laisses pas passer quoi? Donc là, la boule qui est bleue, là, normalement c'est un Pokémon. Donc on va voir ce qu'on peut en tirer. Donc j'espère que vous allez bien. Hein. Moi je me suis coupé les cheveux quand j'ai attendu 1 heure hein, pour pouvoir me faire couper les cheveux. Mais bon, ça valait le coup, hein. J'avais oublié que j'avais cette attaque. Ok, ça a été super efficace, bravo. Alors lui, ça va être... Comment ça se fait, cette attaque a été ratée? On peut pas le rater. Ah, ça doit être sa capacité spéciale, je crois, non? Écoutez, bah... Je vais renvoyer lui. Il doit avoir de lévitation, un truc comme ça. Fin d'attaque. Bon, on n'a pas beaucoup gagné de niveau, hein. C'est pas grave, c'est la vie. Je me demande ce qu'il y a en dessous. Ok, on va monter par là. Peut-être que c'est un bon Pokémon. Bronzo, oh. Bronzo, c'est le Pokémon qui ressemble à une cloche en fait. Vous l'avez vu tout à l'heure. Bon, bah voilà, c'est comme ça. Bon, ça me fend un petit peu le cœur hein, d'utiliser des hyperboles pour si peu de vie, enfin. Pour si peu de PV perdu, donc voilà, ça fait chier, mais bon. Va pas le faire. Ça va pas le faire. Take down. Oh, elle a raté. Donc, bizarrement, ils sont tous au niveau 43. What the fuck? Ok. Non, on va devoir changer Pokémon là. Ah, la tenue. Aïe 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 aïe. Bon, bizarrement, je gagne pas beaucoup d'XP. Bon, c'est un petit peu rageant en fait. Hein. Ouais, le problème, c'est ici, c'est qu'on gagne pas beaucoup d'XP quand on bat les dresseurs. Mais bon, moi, ils sont tous au niveau 52. Ou plus ici c'est quoi? Ok, on ira à ça après parce que là la mission d'abord c'est Barry. Bon, ils sont bloqués, il va falloir qu'on monte. Mais à un moment, je vais quand même récupérer la boule, ça peut être utile pour nous. Sait-on jamais, hein. Donc c'est lui en fait le Pokémon qu'on a récupéré.
APP+, ah ça c'est pas dégueu en revanche. Ça peut être vachement cool pour nous. Une bonne attaque avec si peu de PP, bah un petit coup de PP hop, là ça peut monter le PP. Ah les chiens, c'est génial. C'est génial. Va falloir que je prépare ma vidéo. Le Pokémon Révolution, l'épisode. Premier épisode là, Latino. Ça devrait être l'épisode 51, je crois. Oh là là. Ah bah j'avais aussi cette attaque. Je l'ai acheté. Une petite fortune en plus. Pas le temps de résister. Cadabra. Bon, on a commencé le premier, heureusement, parce que voilà quoi, ça aurait été un petit peu chaud pour nous. Je pense que Barry est au sommet, je pense. Il va falloir qu'on se mette le cul, hein. Je vais pas vous mentir. Godlock. Golduck. Ouais, bon. C'est un quack-quack. Ah merde. Voilà qu'on change de Pokémon. Ah, il fait non. Ça, en vend ça. Ok, donc là, je suis cramé. Heureusement que c'était super efficace, hein. Sinon j'aurais été un petit peu mal. Non, c'est pas celui-là. J'ai utilisé un B plutôt. Une B plutôt. Ça c'est pourquoi ça me gagne des PP. J'ai jamais. Enfin, depuis que je joue à Pokémon, j'utilise rarement les PP. Les B. Donc là elle est plus brûlée. Oh, il y a une fantôme. Oh, comment elle lag. Normalement c'est faute 4. Parfait. Ça a super bien marché. Monsieur Mime, c'est aussi un Pokémon de type fée, donc ça sert à rien d'utiliser une attaque ténèbres. Bah, on cartonne, les gars. Ça, c'est cool hein, quand on tombe sur un Pokémon qui peut apprendre de plusieurs différents types d'attaques en fait. Et ça, c'est tellement ouf parce qu'il est pas pour n'importe quelle attaque en fait. Donc là, on est sur la route 17. Putain, c'est lui que je voulais dans ma team. Ah merde, il m'a paralysé. La capacité ciel statique. Ah, je vais avoir des problèmes. Je peux pas changer Pokémon. Ok, tu m'as fait un petit peu peur.
Donc voilà, je pense qu'il faut monter au sommet. Magma, c'est un bon Pokémon, mais il est pas super rapide. C'est pour ça que quand j'avais Magadon, là, je l'ai pas pris pour battre un arbre. Ça aurait été. Je l'ai pas pris parce que déjà il était au niveau 77, 70 pardon, aux alentours. Du coup, à un moment, ça me faisait chier de monter jusqu'au niveau 90. Donc, Et aussi, il n'était pas super rapide. Hein. Il n'y a pas 200 Pokémon ici dans le coin. Après 207, il y a quoi? 217. Ah merde. Donc les persos, les skieurs là, ils ont bugué. Ils sont bugués. Je vais aller par la droite, après je vais aller. Normalement c'est à droite. Bon bah on est arrivé. Snowpoint City. Il y a un port de ferry, ok. Bon allez, on saute Pokémon, puis j'y vais directement là-bas. Je fracasse tout. Et puis on va essayer de sauver Barry. C'est qui? Là, très bon niveau. Ok. Ici il n'y avait rien, juste une maison. Ok, il n'y a rien d'intéressant. Allez, c'est parti, on va se les faire. Ah la mentine. Je suis baisé. On va faire un petit coup de surf et tout là. Aquatel. À niveau 65. Ouh, ça monte de niveau grave là. Après je suis même pas sûr qu'on va le battre. La glaciation là, ça a été terrible. Aquajet. Ah,
Bon, c'est fait grave laminé. T'as niveau 65 là, c'est tellement ouf. Est-ce que Barry a dû passer? Je sais pas. Là, ça a changé de place. Avant, c'était au fond à gauche. Maintenant, là, c'est en bas à droite. Ah, je connais cette Pokémon, la coquillasse. Hydro Pump. Oh putain. Non! C'était pas Simon. Oh, c'était pas le bon. C'est pas grave. On va voir s'il peut le battre. Peut-être. Normalement, on devrait passer par là. Bon écoutez, on va en profiter pour aller au centre Pokémon. Non! C'est chiant d'avoir des clairs ce bordel. Alors si vous m'entendez crier une genre non ou tais-toi, c'est pas... Voilà, c'est à cause de mes chiens. C'est chier. Faut chier. Je les aime, mais voilà quoi. Après niveau 65, mec. Aucune chance en fait. Non! Non! Tais-toi! Niveau 57. Aïe 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 aïe. Le Pokémon que je veux pas, je vais me battre quoi. En plus, niveau 68. Je peux même pas imaginer le niveau qu'il y a. Cher, hein. Heureusement j'avais l'avantage du type hein, même si j'avais pas niveau point. Allez, on continue. Si j'avais point de feu ou lance-flamme, j'aurais cartonné. Hein. Aïe.
enlever celui-là parce que honnêtement il me sert à rien. Je peux même pas l'utiliser dans la vie de tous les jours, c'est de la merde. J'ai payé une fortune pour ça quoi. Ça vaut rien. Hyper déçu quoi. Je peux même pas escalader. Oh non. Bizarre parce que j'aurais pensé qu'il aurait utilisé une attaque du type glace sur moi, mais non. Ok, on va aller au centre Pokémon parce que honnêtement, ça me saoule me faire digiter comme ça par les acolytes et tout. C'est quoi cette attaque? Alors c'est quoi? C'est I, C, L, L, E, Crash. Ah c'est chute de glace. Ok, est-ce que c'est une bonne attaque ou pas? Précision 90 et puissance 85. Bon bah c'est pas ouf. Après, je sais pas sur quel Pokémon je vais tomber. Je vais pas vous mentir. Tac. Honnêtement, j'ai pas, je pense pas avoir le niveau pour battre Candice. Allez, x4. Salaud. Non! Fan va sauver des tas de fois. Ah,
On va prendre cette attaque. Ok. Donc là, ça n'a pas du tout suffi parce que. Voilà, il manquait de puissance à mon goût. Il tenait les attaques, mais c'était pas assez, malheureusement. Il va falloir continuer à entraîner les Pokémon. Donc là, les gens, on va s'arrêter. Je vais faire un petit cut et tout parce que. Honnêtement, ça va me saouler là, cette histoire là. Allez.